Bonjour à tous. Le marché parisien marque une pause dans les premiers échanges après 4 séances consécutives de progression. Dans l'actualité des valeurs ce matin, le laboratoire Sanofi a intenté une action en justice aux États-Unis pour défendre les brevets du Lantus, son traitement du diabète. Et puis Engie discute du rachat d'un projet éolien auprès du Brésilien Renova Energia. Et du côté des analystes ce matin, Jefferies réduit de 205 à 193 euros son objectif de cours sur le titre L'Oréal recommandé à conserver. Les marchés goûtent à nouveau aux tensions géopolitiques en ce mois d'août avec une escalade verbale entre Washington et Pyongyang. Donald Trump a promis hier que la Corée du Nord rencontrera le feu et la colère et une puissance telle que le monde n'en a jamais vu. Pyongyang, pour sa part, a fait savoir que les États-Unis paieront cher pour leurs crimes et qu'une frappe de missile sur la base de Guam est envisagée. De leur côté, les experts estiment que cette nouvelle passe d'armes restera au stade des mots, mais elle fournit un bon prétexte aux investisseurs américains pour réduire leur exposition après une belle saison des publications semestrielles. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.